Oh, tu avances, je vais pas t'attendre toutes les 5 secondes non plus. Oh, bébé, si tu veux que j'avance, tu as qu'à m'aider à la porter cette valise, Edgy. Oh, je suis fracassé, hein, s'il te plaît, avec le voyage, le décalage horaire, là, ça va. Quoi? Décalage horaire? On a fait 2 heures de route, bébé. Ouais, ben c'est la sieste que j'ai fait, ça m'a complètement fracassé. Mais quelle sieste? C'est toi qui conduisais. Ah, ben merci le régulateur de vitesse, heureusement qu'il était là. Oh, il est beau ce village, hein, bébé. Moi, je me vois déjà vivre ici. Ouais, c'est ça. Par contre, t'enflamme pas, hein. Parce que je suis allé voir, il y a qu'un seul bar dans tout le village. Il n'est pas agrégé ni FDJ, ni PMU. Alors, ça sera ça, moi, hein. Le village, 2000 habitants. Moyenne d'âge, c'est combien? 85 ans. C'est-à-dire que s'il y a une autre pandémie, on va sûrement être les seuls survivants. Mais je m'en fous. Je viendrai habiter seul dans la maison de mes ancêtres. Pour une fois que j'ai une héritation de ma famille, bébé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as jamais vu, cette vieille tante? Chut, bébé, on parle pas des morts comme ça. Paix à son âme. Putain, mais si ça se trouve, elle te connaissait même pas, elle sait même pas qui tu es, quoi. Alors, je suis sûr que c'était une vieille casse-couille qui a jamais trouvé de mec dans sa vie pour lui faire des enfants. Et du coup, quoi? Elle a cherché au 4e degré pour se trouver un héritier, tout simplement. Et c'est qui? De quoi? L'héritier. Allez, laisse tomber. Hein? C'est qui, bébé? C'est là, bébé. Qu'est-ce que tu attends? On va pas rester planté là. Ouvre. Ouvre quoi? La porte. Mais avec quoi, bébé? Avec une clé. Mais j'ai pas de clé, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais comment ça, t'as pas de clé? T'as hérité d'une maison, t'as pas donné les clés? Non, on m'a juste envoyé une lettre en me disant de me rendre à cette adresse. Entrez, madame. Merci, monsieur. Merci, merci, monsieur. Merci. Oh. Oh. Vous êtes? Babette, monsieur. Fantastique. Oh, c'est juste le diminutif d'Elisabeth. Incroyable. Ah non, si, si, je vous assure, hein. Mes parents, ils m'ont appelée comme ça en hommage à leur chatte. Elle avait... de si beaux yeux. Ah, ça, je sais pas. Elle est morte le jour où je suis née. La chatte à ma mère. Ah non, non. Je parlais de votre tante. Vous lui ressemblez tellement. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ah, et ben, je suis pressée de la rencontrer, monsieur. Votre tante est malheureusement décédée la semaine dernière. Ah, oh, c'est pas vrai. Mes condoléances. Vous étiez proche? Oui, nous étions très proches. Ma chambre était à côté de la sienne. Elle se touchait. Ouais, c'est bon, on a compris. Vous êtes qui, vous, en fait? Autant pour moi. Je suis Gaspard de Montlimar, le majordome de cette demeure. Et je vous souhaite la bienvenue. Oh, oh, merci, monsieur. Vous êtes très aristocrate. C'est pas aristocrate qu'on dit, c'est bureaucrate. Oh, et vous, relevez-vous, vous êtes cru au 16e siècle ou quoi? Mais pas dit, ta tante, c'était une bourge, genre elle avait des domestiques. C'est pas un domestique, bébé, c'est une majorette. Et puis je savais pas que j'avais une tante, alors. J'ai servi votre tante toute sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Et aujourd'hui, j'apprends qu'elle a une descendance à qui je jure fidélité. Oh, il a les mains froides, ce garçon. Vous devriez mettre votre chauffage dans votre chambre, mon garçon. Je vais vous montrer sa dernière demeure. Elle a une autre maison? Elle est à moi aussi? C'est la pièce où elle a succombé. Oh, c'est triste. Tu viens, bébé? Eh, non, non, moi, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les endroits où il y a des morts. Hein. Je peux pas me les voir. Vous êtes blessant. Venez, Babette. Oui. Attends-nous là, bébé, et sois sage.
Voilà, c'est ici que votre tante est... Eh ben, vous avez pas fini votre phrase. Que ma tante est quoi? Morte! C'est ici même qu'elle est morte? Je le savais. Ah oui, oui, parce que moi, je sens les morts. Hein. Et ici, ça sent le mort. Hein. Ah oui? Oui, oui. C'est ici qu'elle revient chaque jour boire son thé à 15h. Ben non, elle est morte. Tout comme moi. Oh, oh non, vous, vous êtes pas un fantôme quand même. Hein. Oh. Et pourquoi pas? Eh ben parce que je vous ferai remarquer que les fantômes, c'est transparent. Et vous êtes pas transparent, vous, hein? Alors certes, vous sentez un peu mauvais, très mauvais même. Bon, mais vous êtes pas un fantôme pour autant, non, non, non. C'est vrai que vous, vous êtes un peu froid, vous êtes très blanc et... Oh, vous avez pas de peau, mais vous devriez manger plus de carottes, voilà. Oui. Si vous le dites. Oui, vous savez les carottes avec un peu d'huile d'olive et du sucre, ça c'est très très bon. Hein. Si vous voulez, je vous en ferai, Bébert il peut pas en manger. Il ne mange pas les carottes? Ah non, 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 Bébert se nourrit exclusivement de charcuterie, de cacahuètes et de chips. Aucun légume. Oh mon Dieu, il va mourir. Oui, je vais que lui dire d'abord. Il lui reste 5-6 ans hein, de vie, je vous le dis. Hein. Elle va le sentir. Qu'est-ce qu'il dit? Elle est partout, elle voit tout. Lorsqu'elle trouve une proie, elle ne la lâche pas. Comme un aimant, elle attire. Comme la veuve noire, elle pique. Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Oh là là. D'où vient ce son ignoble? Aucun homme ne lui résiste. C'est une bombe de sexualité et de sensualité. Les deux mélangés. Elle attend l'homme qui sera son... détonateur. Un boum. Putain, vous êtes qui, vous encore? La bonne, monsieur. Et vous, vous êtes le nouveau propriétaire? La bonne? Oui. Genre, ça existe encore, ça, ce genre de truc? Je pensais que c'était que dans les films, moi. Non. Mais en fait, genre, votre métier, c'est... Vous êtes un peu comme une esclave, c'est ça? L'esclave de tous vos désirs. Ah ouais? Ouais. Eh ben, continuez à nettoyer, ce sera très bien. Nettoyer, balayer, astiquer. Je peux tout faire. Ah ouais, tout faire. Tout ce que vous voudrez. Eh ben, ça tombe bien parce que j'ai ma voiture dehors, elle est complètement crasseuse. Comment on s'organise? Genre, je vous donne les clés et tout, vous allez la nettoyer, c'est ça? Bébert, qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là? Eh oh, c'est ma bonne, elle me nettoie, elle fait son travail, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma bonne. Joséphine? Mais... Enchantée, Joséphine, moi c'est Babette. Non. Non, Joséphine, c'était votre tante. Vous êtes son portrait craché. Pas du tout! Alors là, madame, vous devriez aller voir un ophtalmopathe, hein? Non, mais sérieux, tu as pris scan cette photo en vrai. Eh, vas-y, prends pas pour un con, c'est toi dessus! J'ai des yeux globuleux comme ça, moi? Je crois pas, non, Bébert. Gaspard, j'espère que tu n'as pas embêté notre nouvelle maîtresse avec tes histoires farfelues. Il est parti. Le repas sera servi à 19h. Et il n'y aura pas de légumes. Eh ben, pour une fois qu'on est bien reçu, hein.
Eh bien, un peu mystérieuse, mais... Ce repas était délicieux. Franchement, je me suis régalé. Bravo. Tu as mangé que des chips, bébé. Eh ben justement. Et Madame la Bonne, je suppose que c'est vous qui préparez les repas, alors. Non, c'est Uber Eats. Ah. Donc vous êtes trois domestiques dans la maison, ça, alors. Et alors, je voulais vous demander, ma tante Joséphine, comment est-ce qu'elle est morte? C'est une triste histoire. Qui s'est Gaspard, personne ne t'a donné la parole. C'était un mercredi. Le temps était pluvieux et l'horloge annonçait 14h58. Je venais de passer la serpillière dans la chambre de madame. Excusez-moi, est-ce que vous allez raconter tous les détails? Parce que, en fait, personnellement, je me fais rapidement chier. Hein. J'ai des gros problèmes de concentration, donc si vous pouvez aller au but directement. Bébert, tu laisses parler les dames quand elles le racontent? Là, c'était mal parti parce qu'elle commençait à détailler tout. Allez-y, Madame Labonne. C'était un jour comme les autres. Madame, tous les jours à 15h, prenait son thé. D'habitude, elle ne demandait qu'un morceau de sucre, mais à savoir pourquoi, cette fois-ci, deux morceaux. Malheureusement, un des deux sucres ne s'est pas dissous. Cela est méconnu, mais il y a 5 morts par an par non-dissolution du sucre. Lorsque madame a avalé le sucre, ce fut très rapide. Elle est passée par toutes les couleurs, bleu, puis blanc, puis rouge. Les couleurs de la France, notre beau pays. Je n'ai rien pu faire. Elle est tombée dans mes bras. J'ai essayé de la réanimer, mais c'était trop tard. Elle était morte, morte en patriote. Racontez bien les histoires, vous, quand même. Eh quoi, ça y est, elle est morte, la vieille, c'est bon? Je crois que je me suis endormi. Vous ne buvez pas votre thé? Ça me fasse, j'ai toujours détesté l'eau chaude, merci beaucoup. Eh. Je parlais à Babette. Ah. Ah. Oui, pourquoi pas. Gaspard, tu es déjà mort. Bravo! Bravo! Eh, oh, ça c'est divertissant, hein? Oui. C'est pas comme vos histoires de merde, hein? Vous devriez vraiment... Allez, chez Incroyable Talent, parce que vous avez vraiment du talent. Très belle prestation, monsieur. Bon, c'est pas tout ça, on s'amuse bien, mais comment ça se fait tard, on a une longue journée. Oui. Je pense qu'on va aller se coucher, donc, qu'est-ce que tu penses? Oui. Et alors, Madame Labonne, je vous remercierai bien Hubert de ma part, hein? D'accord? Oui. Bonne nuit. Et alors, monsieur Gaspard, vraiment, bravo pour le spectacle, formidable. Bravo. Oh, quel... mais quel aristochat, quand même. Oui. Allez. Oh. Au lit. Putain, il y a même pas la wifi dans cette baraque de merde.
Mais Bébert, c'est normal, c'est une maison du 18e siècle. Et alors, ça les empêche d'installer la fibre? Mais ça n'existait pas à cette époque-là. J'ai oublié mes chewing-gums dans la salle de bain. Quel intérêt? Tu as besoin de sentir bon de la bouche pour dormir? Mais non, mais c'est pour toi, Bébert. Joséphine, Babette, il faut que je vous prévienne. Vous êtes en danger. Ah, mais non, Bébert, vous savez, il a l'air brut comme ça, mais il est gentil en vrai. Non, je parle de... la bonne. Qui ça? La bonne. Ah, la bonne. Chut. Qu'est-ce qu'il a? Elle pourrait nous entendre. Mais qui? La bonne. Mais alors, pourquoi vous criez? Chut. Écoutez, Babette, elle prépare quelque chose, j'en suis sûr. Mais non, elle vous l'a dit, c'est Hubert qui fait la cuisine. Babette, elle est dangereuse. Elle est capable de tout. Je ne sais pas ce qu'elle prévoit, car elle est imprévisible, vicieuse et diabolique. Ouvrez les yeux. C'est elle qui a tué votre tante. Mais non, c'est le sucre. Non, Babette. Elle a tué Joséphine parce que c'est une grosse casse-couille qui n'a jamais trouvé de mec. Ça fait des années qu'elle cherche un homme vivant pour lui extraire son fluide, afin d'avoir assez d'énergie vitale pour quitter ses murs, dont elle est prisonnière depuis 300 ans. Beaucoup d'hommes sont passés, mais aucun n'était compatible, car ils avaient tous des traces de légumes dans leur fluide. Elle a besoin d'un homme qui ne mange pas de légumes. Ah, ben y a Bébert. Mais vous n'avez pas compris la façon dont elle va lui extraire son fluide. Non mais attendez, attendez, Gaspard. Quand vous parlez de fluide, vous voulez dire... Sperme! Oh, la péripopéticienne! Écoutez, j'ai encore quelque chose à vous dire. Ah. Je vous... Oui, tenez, prenez le chewing-gum, Gaspard. Je vous aime. Putain, mais on peut même pas jouer à Mario Kart tranquillement, là. Putain, mais encore elle, les chatons à 22h, là, c'est pas possible. Ah. Oh putain, tu m'as fait peur. Mais t'étais parti? Oui, et je suis revenue. C'est Halloween ou quoi? Excellent, celle-là, je vais la poster sur Facebook. C'est Halloween. Tu ne me trouves pas belle ce soir, Albert? Tu sais que quand tu m'appelles Albert, ça m'excite en vrai. Mais sinon, pas plus que d'habitude, en fait. Pourquoi? Parce que... je suis une bombe de sexualité et de sensualité. Les deux mélangés. Je t'attends, toi, l'homme qui sera mon détonateur. Tu fais une TikTok? TikTok? C'est un nom de code pour dire faire l'amour sauvagement. Non, c'est pour dire TikTok. Mais c'est ce que je t'ai dit sur les jeux de rôle, c'est pas mon truc en vrai. Hein. Ne t'inquiète pas, tu n'auras besoin de rien faire. Je veux seulement extraire ton fluide. Oh ouais. T'as pas changé un truc toi? Je ne vois pas de quoi tu parles. Oh 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 oh, hey, oh. Bébert, tu fais quoi là? Wow, oh 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 oh. Mais t'étais parti? C'est moi ou elles sont deux? Nah, c'est comme la dernière fois quand t'avais trop bu, Bébert. Fais comme si tout était normal. Bébert, tu fais quoi avec cette femme-là? Ah, tu la vois aussi? Mais Bébert, tu vois pas que c'est la bonne? Ah ouais, c'est la bonne? Ça veut dire que c'est toi la mauvaise, en fait. T'inquiète, je gère. Mais fais-la sortir du lit, enfin, Bébert! Ne lui réponds plus, Bébert. Elle cherche à te déstabiliser. Mais Albert, pourquoi y a-t-il une deuxième Babette dans notre chambre? Oh, tu la vois toi aussi. Vous êtes une sacrée péripapéticienne, hein? C'est péripatéticienne qu'on dit, Joséphine. Ah ouais? Et grosse pute, tu le dis comment, hein? Grosse pute. Wow, 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 wow! Vous allez vous calmer un peu, oui? Hein? Déjà qu'une Babette, c'était pas facile. Alors imaginez deux, hein? Comment ça, deux?
Elle a pris votre apparence, maîtresse. Seul Bébert peut la voir. Hein? Bébert voit, à côté de lui, votre corps de déesse. Oui, comprends-moi. Bébert voit vous. Ah! Mais alors moi, il me voit comment? Ben, en vous. Ah non, non, ça c'est pas possible, hein. Ça c'est possible que si c'était de la magie. Mais, c'est de la magie. Ah, c'est de la magie! Ah, c'est pas le whisky alors? Ah mais tant mieux. Nous aurons une discussion plus tard, Gaspard. Mais du coup, c'est laquelle la bonne? Moi? Une seule à la fois, hein? Toi, c'est le majordome, on élimine. Toi, tu commences. Comment je sais que tu es la bonne? Bébert, écoute-moi bien. Si tu me reconnais pas, quand on va rentrer à la maison, tu vas être privé de foot, hein? Ouais, ça c'est crédible, ça. À toi. Tu pourras regarder du foot jusqu'à la fin de ta vie. Et même après. Ok. Du coup, je vais choisir elle. Mais bébé, c'est pas possible que tu me reconnaisses pas, Carmen. Mais comment savoir? Bon, bébé, il faut leur poser une question dont seule la vraie Babette connaît la réponse. Bien vu. Qui a gagné la Coupe du Monde en 1994? Une question personnelle, monsieur Bébert. Ah, ouais, ouais. Je sais. Babette, quel âge as-tu? C'est elle qui répond en premier. 53 ans? Oh, t'as tué! Oh, j'aurais pas aimé. Allez, dégage. C'est la bonne! Mais oui, c'est la bonne, Bébert, j'arrête pas de te le dire depuis tout à l'heure! Ah! La bonne! Ah! La bonne! De toute façon, c'est trop tard! J'ai la fiole. J'ai le fluide. Je vais pouvoir m'enfuir d'ici! C'était bon, les chips, Bébert? Car c'était des chips de légumes! Ah non, c'était bon, en fait. Sois maudit, Gaspard de Molinor! Pour Joséphine. Mais d'abord, pourquoi il y a de la fumée tout ça, là? Tu vas me fumer la bonne. T'as raison, Bébert, c'est nul ici. Je te l'avais dit. Comment elle a fait, Bébert, la bonne, pour avoir ton fluide? Tu sais, la magie. Ah oui, la magie. C'est bizarre, la magie. C'est le magicien. C'est vrai que Gaspard, il est 15h. Oui, oui, voici votre thé, madame. Et je voulais vous demander, maintenant que vous faites partie du monde des morts, est-ce que vous pensez qu'entre vous et moi, oui, ça serait... Oui, oui, plus tard, Gaspard, plus tard. Et un seul sucre dans le thé, s'il vous plaît. Vous n'avez pas compris la façon
dont elle va lui extraire son fluide. Oh, oh quel... mais quel aristochat.